Oh, et tout le monde, j'espère que vous allez bien, Sutter, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aujourd'hui, on va aller affronter Ganondorf sans avoir fait beaucoup de sanctuaires, sans avoir la paravoile, sans avoir fait du coup les 4 régions, donc avec les, j'allais dire créatures divines, enfin vous m'avez compris, les sages. Donc j'ai juste fait les 4 sanctuaires, j'ai ajouté un mode qui va me permettre du coup d'avoir endurance et vie illimitée, parce que du coup je suis pas du tout préparé. Ceux qui font des speedruns, du coup ils peuvent facilement le faire parce que ils ont du coup récupéré en amont déjà des fées et il les duplique, alors que moi du coup bah j'ai pas de fées. Donc c'est assez compliqué d'y rentrer, surtout que ils font un glitch juste ici pour tomber directement tout au fond, alors que moi du coup j'ai descendu, j'ai ensuite grimpé, enfin bref, on est parti pour du coup voir ce que ça fait. On va pas faire le boss à fond, hein. On va juste voir du coup le pré-truc, donc dès qu'on arrive, qu'est-ce que ça fait, si ça se trouve... doit réaffronter comme sur Breath of the Wild. Je vais affronter un peu plus Ganondorf. On est parti. Alors, puisque on speed, vas-y on. Ok. On a... Ah ouais, c'est chiant parce qu'on doit le faire nous-mêmes à la main. Alors que avant on avait un peu les créatures. Enfin les sages. Bon, je vous fais des hips. Ok. Bon. Oh non, je voulais avoir les flèches. Ensuite, du coup, c'est un combat contre les Alphos. Ok. Ok, bon. Donc, je me suis fait les Gypdo et les Moblins. Et là, du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ok, on a toujours une première créature. Premier boss. Glagay. Glagay, là, ok. Et du coup, logiquement, on va devoir se fight vu qu'on n'a pas la créature. Enfin, le sage. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ok, bon, bah, on est parti pour fight. Ah, je peux même pas... Oh, la galère. Oh, la galère, je peux même pas... voler. Ah mais speedrun le jeu, c'est impossible pratiquement, je pense. What? Comment ils font? Oh. Ah non. On va tester un truc. Oh non! Baffleur bombe! Oh! Oh! Oh non! Dommage. Eh ben, je sais pas du tout comment je vais pouvoir faire. Peut-être en jetant ça comme ça, tac. Un peu bas. Non. Donc, vu que j'ai un cheat, moi c'est facile pour aller d'ici comme ça, hop. Et peut-être tenter de. Ah non. De battre, mais vous par contre, je sais pas comment vous pouvez le faire. Hein.
franchement. Vous devez vous faire des plats anti-miasme, mais bon, ça coûterait mais tellement cher en ressources. Il y a peut-être des techniques, si vous avez des techniques, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça peut bah, du coup vous entraider tous ensemble. Même si je pense que bon, c'est inutile hein, ce genre de truc, sauf pour les speedrunners. Ou pour le fun, mais bon. Attendez, est-ce que je peux utiliser? Je peux pas. Non, je suis bête. Je suis bête. J'étais tout en haut, fallait que j'attende. Oh non. Ok, j'ai peut-être trouvé un truc. En fait, je pense que je peux jouer avec le véhicule. Mais pareil, en fait, faut que je casse chaque trou. Et ensuite aussi, il y a, bah, du coup, il y a en tout 6 trous à faire. Quoi. Enfin, ouais, 6 choses à casser, donc ça va être assez chaud, je pense. Bon, bah du coup, moi je pense on va s'arrêter là parce qu'en fait, bah, j'arrive tout simplement pas à me fight contre lui. Chaque flèche, j'arrive pas. J'ai beau aller en haut, j'arrive pas. Je pense qu'en vrai, c'est pas possible autrement. Alors, peut-être il y a des alternatives, hein. Je sais pas quoi, mais c'est sûr qu'il y a des alternatives. Et en fait, du coup, bah réellement, je vous ai montré quoi. En fait, vous allez juste rebattre les créatures, les boss, pour ensuite déverrouiller cette zone. Et en fait, pour les speedrunners, en fait, ils utilisent du coup le pouvoir juste ici. Je sais plus du tout c'est lequel. J'ai oublié. Enfin bref. Et ensuite, ils rentrent à l'intérieur du coup en créant quoi, le auto-build ou je sais plus comment il s'appelle. Et en fait, du coup, tous les boss comme ça, là, il les bypass. Donc voilà pour la petite info. Et puis du coup, bah, j'espère au moins, maintenant vous savez comment ça se déroule. Et puis voilà, tac, on va essayer une dernière fois quand même. Donc là, il va spawn ici. Ok. Non, là. Dommage. Mais comme vous pouvez le voir, hein, je peux vraiment pas toucher. Donc j'espère au moins que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, c'est auteur. N'oubliez pas que je kiffe. Allez, ciao ciao. Talking, please.